Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours de chimie IB au sujet du module 8. Les informations de cette vidéo sont tirées de la partie structure 2.2 du curriculum IB et comprennent 10 unités. Cette vidéo en particulier va concerner la polarité dans une liaison. On va d'abord commencer par une révision de l'échelle de Pauling pour ensuite pouvoir parler du dipôle dans une liaison. Donc un petit rappel sur l'échelle de Pauling, on l'avait utilisé pour faire la différence entre les Composés ioniques et les composés covalents. On avait utilisé les électronégativités des deux atomes dans une molécule pour trouver la différence. Par exemple, ici, on a le carbone et l'hydrogène. Le carbone a une électronégativité de 2,5, l'hydrogène 2,1. Pour faire la différence, on arrive à 0,4. Parce que c'est en bas de la limite de 1,8, on va dire que c'est une liaison covalente. C'est ce qu'on avait dit auparavant pour le 1.8. Maintenant, on va rajouter une autre limite. Prenons l'exemple de la molécule d'eau. Encore l'hydrogène avec son 2.1, cette fois comparé à l'oxygène qui a 3.5 d'électronégativité. Quand on fait la soustraction, ça fait une différence de 1.4. Techniquement, c'est encore un composé covalent parce que c'est en bas de 1.8. Mais cette fois, on est plus proche du 1.8 que du 0. Alors que dans le CH4, on était plus proche du 0 que du 1.8. Alors cette deuxième limite qu'on va utiliser, c'est la limite du 0.5. Si on est en haut de 0.5, on va dire que la liaison, elle est polaire. Et si on est en bas de 0.5, on va dire que la liaison est non polaire. Plus la différence d'électronégativité va être grande, plus la polarité du composé va être grande. Donc prenons l'exemple du SECL2. On avait le sélénium qui avait une électronégativité de 2,4 et le chlore avec 3. La différence d'électronégativité, c'est 0,6. Donc, on a un composé qui est polaire, puisque c'est en haut de 0,5. Et si on le compare avec le SF2, donc le S qui est 2,5, le F qui est 4,0, la différence d'électronégativité va être de 1,5. C'est en bas de 1,8, mais en haut de 0,5. Alors, c'est encore une molécule avec une lia des liaisons polaires. Les liaisons sont polaires dans les deux cas, mais le 1.5 est plus polaire que le 0,6. Le 0,6 est plus bas, plus proche du 0,5, alors que le 1.5 est plus loin de la limite de 0,5. Ce qui veut dire que le SF2 va être très polaire comme liaison et le SECL2 va être peu polaire comme liaison. Faisons un résumé de tout ce qu'on a appris. Là. Ça va être un beau screenshot que tu vas pouvoir prendre à la fin cette page-là. Donc, si on regarde les différences d'électronégativité, la plus petite différence qu'on peut avoir, c'est zéro. Parce que si on a deux atomes identiques, ils vont avoir exactement la même électronégativité et la différence va être zéro. La différence d'électronégativité la plus grande qu'on peut avoir, c'est 3.3. Ça va être quand le fluor se lie avec le césium. Le fluor, c'est l'élément le plus électronégatif et le césium le moins électronégatif. La différence la plus grande, c'est 3.3. On avait déjà parlé du 1.8, qui était la différence d'électronégativité qui nous permettait de faire la différence entre un composé covalent et un composé ionique. On avait dit que plus la différence était grande, plus le composé avait un caractère ionique qui était fort, et plus la différence était petite et proche du 1.8, moins le caractère ionique était fort. Même chose pour les covalents, plus on était proche du zéro, plus c'était un caractère covalent, les électrons étaient partagés vraiment également en, dans la liaison. Alors que si on se rapprochait du 1.8, on se rapprochait d'une situation qui était presque ionique, donc c'était moins covalent. C'était encore covalent, mais c'était moins covalent. Aujourd'hui, on a rajouté une autre limite, la limite du 0.5. En haut de ce 0.5 là, mais en bas du 1.8, c'est là qu'on va avoir notre liaison polaire. Si on est plus proche du 0,5, si le chiffre est plus petit, ça va être moins polaire et si on est plus proche du 1.8, ça va être plus polaire. Donc plus la différence d'électronégativité s'éloigne de 0, plus la liaison est polarisée. Et quand on arrive à 1.8, elle est tellement polarisée que ça va créer des ions, on va dire que la liaison est ionique. Alors, ce qui nous intéresse ici là, c'est ces liaisons qui sont Qu'est-ce qui arrive quand l'électronégativité est inégale, mais pas tant que ça quand même, c'est covalent. Fait que il y a une différence d'électronégativité parce qu'on n'a pas zéro, mais elle n'est pas si grande que ça parce que c'est ionique. Qu'est-ce qui va arriver quand cette différence d'électronégativité est inégale? Mais ben ça, on va dire qu'il y a donc une polarité dans le lien. Ça veut dire que les électrons dans la liaison ne seront pas distribués également. Faisons deux exemples. Premier exemple avec une molécule qui va être parfaitement covalente, le dioxygène. Donc on a l'oxygène avec ses six électrons de valence qui va vouloir s'attacher à un autre oxygène qui a aussi six électrons de valence. Ces oxygènes vont créer des liaisons covalentes, donc une première ici avec le premier oxygène et le deuxième oxygène qui ont fourni chacun un électron pour s'attacher ensemble. Et même chose ici, donc on va avoir une, une liaison double. Les électrons de la paire liante vont se placer exactement au milieu entre les deux parce qu'il n'y a pas un oxygène qui tire plus fort que l'autre. Ils se partagent parfaitement également ces deux paires d'électrons-là. Et le nuage électronique, c'est-à-dire l'espace où statistiquement je pourrais retrouver... Un électron, mais il est partout égal. Il n'y a pas un côté, il n'y a pas un endroit, il n'y a pas une place où j'ai plus de chances de trouver des électrons. Les électrons se promènent partout également. Contre-exemple avec le fluorure d'iode. L'iode a sept électrons de valence et le fluor aussi a sept électrons de valence. Par contre, les électronégativités du fluor et de l'iode ne sont pas pareilles. Le fluor, on le sait, son électronégativité, c'est 4, c'est la plus grande, et l'iode, c'est 2,5. Donc, la différence d'électronégativité, c'est 1,5, ce qui est covalent polaire. Donc, il va y avoir une liaison qui va se créer ici entre les deux électrons célibataires, et les deux électrons de la paire ne seront pas parfaitement dans le milieu. Ils vont être attirés plus fort par le fluor que par l'iode. Le fluor, il est plus électronégatif, il tire plus fort sur les électrons. Ce que ça fait, c'est que quand les électrons vont se promener autour de la molécule un petit peu n'importe où, au hasard comme ça, ben, il va y avoir statistiquement plus de chances de retrouver les électrons autour du fluor qu'autour de l'iode. Même si les deux atomes ont trois doublets non liants pour l'iode et aussi trois doublets non liants pour le fluor, reste que le fluor. Tire plus fort sur les électrons du doublet liant. Et c'est pour ça que ce côté-là du nuage électronique me dit qu'il y a plus de chances de retrouver électro des électrons dans cette partie et moins de chances de retrouver des électrons autour de l'iode. C'est ça qu'on appelle un dipôle. Un dipôle, c'est quand il va y avoir une répartition pas égale des électrons. Autour de la liaison. Donc, ici, j'ai mon iode avec le fluor. C'est l'image de tantôt qui montre que le rouge est plus électronégatif que le bleu. Et on va représenter ça parce qu'on ne veut pas dessiner un nuage d'électrons à chaque fois. On va représenter ça par une flèche. Ça va être une flèche spéciale. Ça va être une flèche avec une petite barre dessus. Et cette flèche-là, on va la placer au-dessus de la liaison attention, on va la placer dans le sens qui pointe vers l'atome qui est le plus électronégatif. Donc, c'est pour ça qu'ici, ça pointe vers le fluor. C'est le fluor qui a l'électronégativité de 4.0, l'iode, c'était 2.5, alors il est plus électronégatif et c'est ce côté-là qui va pointer la flèche. Ça, c'est la flèche du dipôle. Ce que ça m'indique, c'est qu'il y a le côté de la flèche du côté du fluor qui est... Plus négatif parce qu'il y a plus de chances de retrouver un électron de ce côté-là. Ça veut donc dire que de l'autre côté, du côté de l'iode, il va avoir moins de chances de retrouver des électrons et on va représenter ça par un, le côté positif du dipôle. La lettre qui est là, c'est une lettre grecque qui s'appelle la lettre delta minuscule. Donc le delta négatif indique le côté le plus électronégatif qui tire plus fort sur les électrons. Et le delta positif indique le côté qui est le moins électronégatif, qui tire le moins fort sur les électrons. On va utiliser la même flèche quand on veut faire la notation de c'est-à-dire que la flèche va pointer du côté de l'atome le plus électronégatif. La flèche elle va être barrée et elle va se placer au-dessus de la liaison comme ça, pour indiquer que le delta négatif est du côté du fluor et le delta positif est du côté de l'iode. En théorie, on n'a pas besoin d'écrire le delta positif et le delta négatif si on a la flèche, ou on n'a pas besoin d'écrire la flèche si on a les deltas positifs et négatifs. Les deux veulent dire la même chose, c'est juste une façon différente de le représenter. Donc, c'est tout pour la polarité de la liaison. Évidemment, après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre plusieurs liaisons ensemble pour faire une molécule et regarder la polarité de la molécule. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Bye!